Wow, quelle intro de folie! Bonjour à tous et bienvenue chez Tommy. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale. Parce que déjà, pour la première fois, vous voyez ma trogne en incrustation vidéo avec cette magnifique casquette West Coast pour l'occasion. On va jouer un super jeu de pêche auquel je n'ai jamais joué. Voilà, j'ai joué à 2-3 jeux de pêche. Et encore, je me rappelle plus trop dans mes souvenirs. Et là, on va prendre un jeu Konami. Voilà. Parce que j'ai vu Konami, j'ai fait. Ça doit sûrement être un bon jeu. Jeu de pêche, j'adore. Et du coup, voilà. C'est le magnifique Fisherman's Bait 2. Donc, j'imagine qu'il y a un premier. Voilà. J'ai mis celui-là. Je suis allé second coup. Big Crow Bass. Donc, sorti en 80. Fisherman's Bait 2. Konami Rail Reserved. Et c'est sur la PlayStation. Et c'est parti, j'ai jamais joué au jeu, voilà, ça va être une first review. Alors, ok, donc là, on a un compteur. Oh putain, comment on fait ça? Et du coup, option, game, ranking, bah écoute, game, allez, c'est parti. Beginner, tournament, free fishing, beginner, allez, c'est parti. Bande de basic, ok. Donc, try for big bats in training. J'ai pas le temps de lire. Alors, c'est que de base to fish. Alors. Putain, ma manette est niquée. Qui a touché à ma manette? Pourquoi je peux pas assez? Qui a touché à ma manette? Ma manette est cassée. C'est la gamine. Non! C'est le fail, alors. Colo change, alors. On va prendre. Choisir son appât. Oh putain. Là, ça devient sérieux. Ça devient sérieux. Spine bait, le worm, le grub. Ah, on va prendre le winnow. En jaune. Ouais, allez, en jaune. Ça a l'air sexy comme ça. Alors. Mistanity. Putain, c'est en anglais en plus. How to user. Ah oui, il faut lancer et il faut ramener vers la surface. Alors, ok. Use the life tick. Ouais. Non, sans déconner, il faut utiliser à gauche par la gauche. Bon. Alors, the movement of the lure is shown on the window. Ok. Oh putain, je ne comprends rien. Alors. Donc là, je ramène le truc. Là, je tire si je vais vers le bas. Là, je lâche du lest. Ok. Ah d'accord, je mouline. D'accord. Oh putain, j'ai une prise. Oh putain, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ok, c'est parti. Petit, reviens là. Oh, j'étais trop violent. Allez, on mouline. Youhou. On mouline comme ça, voilà. On fait bouger l'hameçon. Eh, mais pourquoi il veut pas là? J'ai ferré. Allez. Donc là, on va ramener l'hameçon parce que visiblement. Pas terrible. Alors, elle est l'air touchant le lien. Non, je m'en fous de changer le lien. Hop là. Donc, on va mouliner un petit peu. Petit. Bah, ça veut plus mordre. C'est quoi ce délire? Il me reste 30 secondes et pour l'instant j'ai rien branlé, c'est super. Où le poisson là? Où il est là? Ouh, j'ai le poisson. Ok. Je l'ai chopé. Donc ok, on a la barre de tension. Et ça casse. Ça va trop. Le caroufle, the tension is going up. Press the line going to snap. Non, du tout. Je comprends rien.
Lost fish. Bah oui, mais je comprends rien. Moose pot, non, non. Il existe. Pouf. Time up. Bah oui, time up, mais j'avais le poisson. On m'a dit de mouliner, d'appuyer sur LR. Donc moi j'appuie sur, sur LR, écoute. Hein. Poisson. Poisson, poisson. Bah, qu'est-ce que je peux vous dire sur le jeu? Bon, là, on va attendre que le poisson y ait. Donc, ce que je vois, c'est que pour l'instant, bah, c'est un jeu Konami, donc il y a un côté quand même très arcade. Bah, graphiquement, franchement, ça a pas l'air dégueu. Hein, le... Il y a un petit. Ah, ah, whoop, je vais pas faire à temps. On va laisser du coup le l'hameçon descendre. Graphiquement, c'est pas mal. Le décor, bon, est correct. Donc, on a une espèce de Rocky Mountains en fond. Oh putain, l'enfoiré. Allons, mouline. Hop. Pouf. Et du coup, bah, c'est pas mal, on voit la caméra directement sur, sur l'hameçon, donc ça c'est... Putain, mais j'arriverai jamais à l'avoir sans foirer. Sur l'hameçon, donc ça c'est cool, c'est pas mal implémenté. Au niveau de l'interface, bah, ça a l'air plutôt pas mal, quoi. C'est bien fait. Même le bonhomme en transparence, bon, il a l'air pas trop mal modélisé, on distingue bien les bras, on voit... Oh putain, je l'ai chopé. Oh. Allez. Allez, je mouline comme un bourrin. Je mouline. Oui. Oui. Alors, je sais pas comment je fais, mais... Ah, d'accord, tout ça pour un bougil qui fait 0,83 livres, quoi. On se cassait le cul pour un poisson à la con. Oups. Là-bas, il y a du poiscail, là. J'en ai vu passer. Alors, je pense que ce jeu, je le recommanderais à ceux qui aiment la pêche. J'ai un pote qui est très très fanat de pêche. Oui, time up. Mais... Moi, je veux mon poiscail, quoi. Please continue. Oh yeah. Va changer de niveau, parce que là, du coup, le niveau est pas mal. Comment on fait? Je veux changer de niveau. Protect the right stick. Je veux changer de niveau. Non. Oui, non. Youhou. Alors, il ne veut pas changer de niveau. Du coup, on va. Yes, I got the fish. Raise. Oh putain. Il sautille. Il se barre. Alors quoi, je mouline comme un gros sac. Ok, donc apparemment LR pour donner du mou. Donc là je ferme en mettant arrière et en faisant des rotations. Là je donne du mou avec LR. Ok, donc là je suis pas mal. On redonne du mou. Hop, on relâche. Allez, viens par là, toi. Non, non, non. Reviens, reviens, reviens. Non, on est pas mal, on est pas mal. Je le sens bien, celui-là. Allez, on tire. Non, non. Oui, il veut se barrer. Reviens. Allez, je suis au bord là. Allez, oui, 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 oui. Allez, faut pas que ça casse. Oui, un poisson, c'est magnifique. Largemouth bass. Alors, oula, c'est un plus gros poisson, quoi. Ouais. Ça, c'est du poiscaille. Donc, un gros truc blanc qui bug. Merci, émulateur. Et du coup, là, en ranking. Ah bah j'ai pas vu, alors c'est quoi le plus gros poisson?
5,86 livres. Ah ben putain, ça c'est le... Ça c'est du poiscaille. Hop là. Alors, plein milieu. Ben, ça commence. Donc, je commence à comprendre 2-3 trucs. Après, c'est pas le jeu de l'année, mais honnêtement, ça peut être fun. Enfin, je trouve qu'il y a moyen de se faire plaisir et de s'amuser et de passer voilà, un petit délire entre potes, voilà, faire un petit concours de pêche. Alors j'ai vu qu'il y avait des poiscailles, mais là du coup je suis trop près du bord. Il me reste 10 putains de secondes, donc du coup hop, on va mouliner, on va attendre la fin et après on va changer de niveau. Voilà, je trouve ça très joli, franchement. On voit les poissons dans l'eau, on voit les reflets sur le lac aussi. Bon, l'ambiance, franchement, par contre, c'est pas trop sans le côté pêche, mais bah, c'est de la pêche, du coup, c'est calme, y a pas vraiment de musique, machin, y aurait pu avoir... Je suis premier, c'est moi qui ai fait les... Oh la vache. Putain, c'est Noël. C'est Noël, première fois que je joue au jeu, je fais premier niveau score. C'est pas ce que j'ai branlé, honnêtement. Tommy, alors. Non, on revient là. Joystick sans flamme. Oh yeah! Ah bah, je me sens un peu chaud, je vais la faire en compétition. Ah oui, je suis premier, puis pas qu'un peu. Game over. Game over. Bah, le jeu a l'air cool, hein. Franchement, il a l'air très sympa. Je suis pas fan de pêche, mais. Il est plutôt bien fait, quoi. Bonne réalisation, il y a un côté arcade. Fisherman's Friend. C'est un peu comme les bonbons. Allez, tournament. Konami Cup, Bass Fishing Tournament. Ok, Konami Cup. Alors, on va prendre. Blablabla. Ok, les trois lacs, blabla, les préliminaires après. Ok. First round. J'ai 10 minutes pour avoir un total de poissons de plus de 1 livre et là ça bug totalement. On va utiliser la croix plutôt. Ok. Alors là il y a des poissons en face. Gardez celui-là, mais portez chance. Allez là! Oh, j'ai mal à l'aise de faire du fun. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, on va prendre du vert, c'est ça. Et du coup. Plouf! Merde, pas assez loin. Alors, du coup. On va le laisser aller dans l'eau. On va mouliner un petit peu. Moi, j'aime bien. C'est très détente, honnêtement. Oups. Allez, reviens par là, toi. Peut-être bouger un peu trop fort ma ligne. J'aime bien le jeu, il y a une vraie ambiance un peu pêche et c'est très cool, c'est très relaxant et voilà, il y a le côté très sport qu'on chope le poisson, on s'excite sur la manette et tout. Et moi ça me plaît bien. Je pense que je vais me refaire pas mal d'autres de jeux de pêche et puis de pourquoi pas essayer de jouer un peu plus à celui-là ou de le proposer en soirée. Franchement, ça peut être un bon délire, voilà. Ça n'a pas l'air hyper compliqué à prendre en main. Bon, là, je suis trop près du bord, on va bourriner sur le joystick. Des poissons, j'en vois pas. S'il y en a en face, il y en a là-bas. Ouf. Voilà, on va aller ramener sur la droite, comme ça. Petit. Et voilà, c'est un jeu qui a l'air... Wop, le salaud. Ah mais il veut pas, hein, pourtant je... Non. Parvenir. Il veut parvenir, ça pue. Ça pue même beaucoup. Parce que du coup,
du coup là il n'y a plus de timer et que je sais plus ce que je disais, que le jeu peut être sympa en soi, mais je pense que j'essaie de faire un truc sur ce jeu. Continue, bah oui, je vais continuer, tu crois quoi? Je vais relancer. On n'a pas. Par là-bas. Pouf, voilà. Tout au bout, du bout, du monde. On va mouliner tranquille, comme ça. J'essaye de pas trop faire le bourrin, du coup, s'il y a un poisson qui mord. Ah mais pourquoi il a mordu et... J'ai même pas eu le temps de ferrer ou quoi que ce soit. Donc oui voilà, ferrer dans le langage de la pêche c'est voilà, faire comme ça avec la canne, tirée en arrière pour tendre la ligne. Voilà, je vais faire un petit peu de pêche quand j'étais gamin. Et c'est pas mal mais c'est entre potes quoi, ou alors tout seul, faut aimer ça quoi, faire tout seul avec... un petit poste de radio ou en mode journal ou en mode camping, je ne sais pas. Oh l'enculé, il me faut absolument un poiscaï. Alors il y en a un là-bas, je vais essayer là. J'essaie de l'appâter. Allez chop chop chop. Poisson, viens manger le bel hameçon. Je suis croustillant, je suis tout vert, je suis un poisson plastique. Ben ça fait du bien. C'est calme, on entend le bruit de l'hameçon. On voit les reflets sur l'eau. Wop. Mais non, mais pourquoi il a pas voulu ce... Il reste encore 12 secondes, 10 secondes, et voilà, j'ai absolument rien branlé. Moi, je veux juste pêcher des poissons, quoi. On a 2 minutes pour choper un poisson, là, et les seuls qui mordent à l'hameçon, ah ben, ils viennent rouler une galoche à l'hameçon, puis ils se cassent. Allez, allez, allez. Concentration. Hop, hop, hop. Hop. Alors, c'est qu'il y a du poiscaille. Là, il y en a là-bas. Oh plouf. Hop, on va faire des petits mouvements comme ça. Gauche, droite. Est-ce que ça va les exciter? On pas l'air super intrigué. Ah oui d'accord, donc là on a 10 minutes en temps de jeu, mais on peut recommencer si on perd. Ok, j'ai méga compris, donc il me reste 5 minutes pour prendre un putain de poisson. Un putain de poisson, il faut que je fasse une livre minimum, c'est-à-dire qu'il faut au moins que j'en chope un gros quoi. Un gros ou deux petits. Ah bah punaise. Je suis pas rendu moi, je sens que le tournoi va être très très prometteur. Allez là, mais poisson qui se balade à côté là, je l'ai vu. Pourquoi il vient plus? Non. Allez. Bon, on va tenter une nouvelle stratégie, la stratégie de la dernière chance. Voilà, on va prendre une espèce de d'hameçon canard là. Là il y a du poisson, il y en a en face. Hop, hop là. Voilà. Ah ouais, on dirait vraiment une tête de canard. D'accord, donc lui en fait quand je tire elle tendance à piquer du nez. Time up. Ben je sais, time up. Donc là, ça voudrait dire que... Ah oui, d'accord. Il me disait que il me restait 5 minutes et que... Game over. Bon ben voilà, là c'est game over. Ah ben très bien le tournoi.
Eh bien écoutez, c'était Fisherman's Bay 2 sur PlayStation. Ah ben c'est un bon jeu de pêche, mais franchement, il faut prendre le truc en main. Mais ça a l'air rigolo. Moi j'aime beaucoup. Mais on se retrouve pour bientôt un nouveau test en capture vidéo super funky en mode je découvre un jeu à la con. Ou du moins je découvre un jeu tout court où je fais une... Soit là je découvre un jeu ou je refais un jeu que je connais déjà. Et voilà, à bientôt pour le gaming live du grand n'importe quoi. Et ce jeu n'a pas de sens, mais ce jeu est fun. Voilà. Salut les amis, soyez sages.